Voyons voir tout de suite si cette bière révolutionnaire va plaire aux amateurs de bière ou si au contraire je vais me faire jeter. Je crains le pire. Mais je prends mon courage à deux mains et telle une brasseuse des temps modernes, je sors tout d'abord... Une gourde, je ne parle pas de moi. Mais aussi de l'eau, du gaz carbonique et du concentré de bière. Ça ressemble à un petit pot de compote pour enfants. Le rangez pas dans le même placard. Je mélange ensuite tous ces ingrédients dans un ordre précis. Et on va shaker horizontalement pendant 1 à 2 minutes. Une fois le tout bien remué, je tente de servir ma plus belle mousse et choisis comme premier cobé le patron de cette institution de la bière. Alors ? C'est vraiment pas très bon. Ça a pas beaucoup de corps, c'est très malté, ça fait penser à une bière qui a mal vieilli. On achète ou on n'achète pas ? Ça, clairement, jamais. Plutôt mourir que d'acheter ça. Les spécialistes ne sont pas convaincus. Maintenant, on va aller la tester auprès des clients. Où est la mousse ? Elle est restée derrière le bar. Ok, ça commence mal. Pas de la bière, ça. Ça n'a pas le goût de la bière. On dirait du thé. Enfin, c'est bizarre. Ça a un petit goût de thé. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous la conseilleriez à vos amis ? Non. Si je vous dis que c'est une bière en kit qui vient des États-Unis, vous me croyez ? Oh putain, viens, on est pressé, on va y aller. Direction un célèbre bar du Parvis de Saint-Gilles, le public y est plus jeune et un peu moins expérimenté. Apprécieront-ils cette bière en kit ? Bonjour mademoiselle, je peux vous faire tester celle-ci et vous me dites ce que vous en pensez. C'est une bière ça ? C'est particulier. C'est assez doux. Ça va ? Ça va ? Oui. C'est plat, non ? Une note sur 10 ? 7. 7 quand même ! Expérience concluante ? Oui, chaud. Parfait ! Vous n'êtes pas convaincu ? C'est pas mon truc. C'est pas votre truc ? Non. Je vous laisse avec la vraie alors. Notre expérience se termine ici, elle n'a pas vraiment été concluante hein, pour notre bière en kit. En même temps, ça paraît logique, on ne peut pas la faire à l'envers aux habitants du pays de la bière. Sur ce, santé. Des frigos, des multi-robots.